Bernard Abeille, balade et contrebasse. Une bien belle façon de défendre la planète aussi. Vous avez vu comment on respire bien sous l'eau? Et vous savez que la première langue universelle existe, c'est le silence. C'était magnifique de vous entendre dans votre silence. Voilà. On va aller faire un petit tour sous l'eau et autour de l'eau. Et en voyant ces images de baleines, je n'arrivais pas à oublier cette petite baleine à bec qui est allée se perdre dans la Tamise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les images à la télé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Comment elle a pu aller si loin de son habitat naturel? Et je me suis dit, mais peut-être... elle avait quelque chose à nous dire et que peut-être elle n'a pas eu le temps de le dire, mais peut-être le fait d'être allée si loin, on peut peut-être essayer de comprendre ce qu'elle voulait nous dire. Alors pour essayer de voir ce que peuvent penser les baleines de ces petits hommes qui sont sur la Terre, on va aller faire un petit tour dans l'aquacomplexe cet après-midi, là maintenant. Alors on va faire comme compagnon de voyage, on va avoir Laurent Chalet. Laurent Chalet, c'est le monsieur qui a fait les images de la marche de l'empereur. Qui a vu la marche de l'empereur? Les pingouins? Voilà. Ceux qui n'ont pas encore vu, allez-y vite, c'est magnifique, voilà. Nardo Vicente, responsable scientifique de l'Institut Océanographique Paul Ricard, il nous parlera de tout ce qu'on peut faire de bien pour améliorer la mer, dessus, dessous, à côté, pour les utilisateurs, pour apporter de l'eau aux autres, de l'eau douce. Enfin voilà, donc on ira voir une autre façon de ce qui se passe sous l'eau de mer. Hervé Letreux, ça va être notre climatologue, je serais presque tentée de dire de service, tellement le climat est important aujourd'hui. Mais là, il viendra peut-être nous parler des océans, voir comment la mer et les océans agissent sur le climat. Et puis à la fin...
Coucou, bonjour, Maximilien Rouer, qui remplace sur votre programme Mathieu Leroux, va venir nous parler d'expériences un peu originelles et originales, puisqu'en fait, Maximilien est un chasseur d'innovation dans le monde entier. Et on va aller voir quel genre d'innovation on peut aujourd'hui trouver sur la surface de la planète pour améliorer un petit peu les choses, avec plus particulièrement les problèmes d'eau de mer. Voilà, et Maximilien a collaboré avec Mathieu Leroux un livre qui s'appelle 80 hommes pour sauver la Terre, pour changer le monde, voilà. Et donc voilà, et ces 80 hommes qui font vraiment des choses un peu différentes et très formidables, voilà. Alors si vous voulez bien, je propose qu'on aille voir tout de suite le docteur. Hervé, où en sommes-nous? Bon, mais je vais effectivement donc parler du climat. C'est un sujet que, par rapport à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, est peut-être différent par les échelles de temps qui met en jeu, les échelles d'espace aussi. C'est un problème global, c'est un problème de la planète pris dans sa globalité. Si on essaie de parler plus précisément de l'océan, je me centrerai peut-être plus fortement donc sur l'océan. Je suis plutôt météorologue moi-même d'habitude, mais l'océan et l'atmosphère sont des partenaires complètement indissociables de ce jeu climatique. Si on voulait simplifier le rôle de l'atmosphère et de l'océan, on peut dire que l'atmosphère est un système extraordinairement rapide à la surface de la planète qui a tendance à redistribuer les climats sur la planète, donc qui est responsable très grossièrement de la géographie des climats sur la planète. L'océan, lui, est l'élément qui est le moteur qui donne les échelles de temps au système et qui va être la mémoire, en fait, de notre système climatique. Alors, pour essayer d'introduire ces idées de mémoire et puis pour ensuite revenir sur le rôle du climat sur la planète, je voudrais situer les échelles de temps du problème. Donc je vais commencer comme cela. Là, vous avez un diagramme qui montre les évolutions de la consommation de combustibles fossiles depuis le début de l'ère industrielle. Donc ça, c'est un des problèmes qui va causer l'augmentation du principal des gaz à effet de serre, qui est responsable de l'augmentation du principal gaz à effet de serre, qui est le CO2. Ce que je voulais surtout montrer, c'est que c'est un problème qui est malgré tout récent. On parle du début de l'ère industrielle. Vous avez ici des émissions qui sont en milliards de tonnes par an. Et il y a un seuil, actuellement on est à 6 ou 7 milliards de tonnes par an. Il y a un seuil qu'on se donne pour assurer la durabilité de la planète, qui est de 2-3 milliards de tonnes par an, 2-3-4. Si on regarde quand on l'a dépassé, c'est en 1970. C'est-à-dire que le moment où la planète est devenue non durable au sens de ses des émissions de gaz à effet de serre est un moment relativement récent, en fait. C'est il y a 30, 40, 50 ans, et comme le système, on va le voir, prend du temps pour réagir, c'est normal que ça soit un problème qui nous affecte brusquement maintenant. Et je dis ça parce qu'il y a souvent des manières de nier le problème en parlant du fait que c'est une prise de conscience récente et qu'autrefois les climatologues prévoyaient plutôt des glaciations, ce qui est faux. Mais c'est vrai que c'est une prise de conscience récente parce que c'est aussi un problème qui est très récent. Alors, toujours pour situer les échelles de temps, j'ai cet autre diagramme donc, qui montre l'évolution des gaz à effet de serre sur 1000 ans. Donc, c'est le CO2, le méthane, les oxydes d'azote. Donc, vous voyez l'augmentation brutale à partir de 1850. Il n'y a aucun doute que cette augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est le rôle des activités humaines et des activités industrielles. C'est très clair. Il y a une autre chose qui est remarquable sur ce diagramme, c'est le fait qu'avant 1850, on a une telle stabilité du niveau de CO2 dans l'atmosphère. Je disais que la mémoire de notre système, c'est les océans. Ça veut dire qu'avant le début de l'ère industrielle, on a connu un interglaciaire très long, de 5 à 6 000 ans, 10 000 ans peut-être. Ça dépend comment on compte. C'est une période de stabilité du système climatique très longue. Et bien sûr, le climat, dans les échelles de temps très longues, a évolué. On a eu des climats plus chauds, plus froids. Sur l'époque où nos civilisations naissent, c'est-à-dire sur les 5 ou 10 000 dernières années, on est dans un état de stabilité exceptionnelle du système climatique, et donc des océans, puisque c'est les océans qui font la mémoire du système climatique. Et c'est cet état de stabilité
très grand qu'on est en train de perturber gravement d'un coup. Donc je pense que c'est très important d'avoir en tête ces échelles de temps si on veut vraiment voir le rôle de l'océan. Alors je saute beaucoup de choses. Les scientifiques, sur la base de modèles, essaient de faire des prévisions sur ce que peut être l'évolution de la température globale à l'échelle du siècle qui vient, en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez ici un diagramme avec des couleurs. La courbe verte, ça correspond à une évolution de la température si on suppose que les émissions de gaz à effet de serre reviennent à peu près au niveau de 90 en 2100. La courbe en pointillé rouge, c'est plutôt c'est une courbe qui suppose que les émissions de gaz à effet de serre sont multipliées par 3 à peu près, en petit pointillé rouge, dans celle du haut. Vous pouvez la comparer à l'augmentation de température qu'on a déjà vécue en 2000. Vous voyez que ce qu'on peut craindre pour le futur n'a aucune espèce de relation avec ce qui a pu se produire maintenant et malgré tout ce qu'on a connu, qu'on peut peut-être attribuer aux prémices des gaz à effet de serre comme les effets autour de Katrina. Ce qui nous attend dans le futur est d'un autre ordre de grandeur. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a là des scénarios qui sont tous des scénarios plausibles, a priori, et qui font des différences assez considérables. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le pire est devant nous, mais le pire peut être beaucoup plus ou moins pire selon les actions que l'on peut entreprendre. Alors, pour illustrer ça, voilà, et je vais arriver aux conséquences océaniques petit à petit, vous avez ici des températures pour deux scénarios un petit peu extrêmes. Donc, le scénario du bas, c'est le scénario où on revient au niveau d'émissions de gaz à effet de serre de 1990 en 2100. Donc, qui est un niveau de déstabilisation, où les gaz qui restent, je crois que ce qui est très important, c'est que les gaz à effet de serre restent piégés dans l'atmosphère pour 100 ou 150 ans. Donc, il y a un effet d'accumulation sur des périodes très longues. Entre la courbe, il y a deux modèles, les deux modèles français, celui de Météo France, celui de CNRS, bon, j'insiste pas, à droite et à gauche. Ce que vous voyez, c'est une différence d'impact entre un scénario doux en bas et puis un scénario où on ne fait pas attention en haut. Les différences sont considérables. Ce qu'on peut voir, c'est que l'augmentation maximale des températures, elle est sur les régions polaires. Ça veut dire une fonte de la banquise arctique en été, par exemple, qui est pratiquement totale bien avant 2100 dans le diagramme du haut. Donc des conséquences très directes sur les océans. Alors, on a aussi des conséquences sur les précipitations, sur lesquelles je vais peut-être pas trop insister, puisqu'il s'agit surtout d'impact sur les continents, c'était l'eau douce dont on a parlé tout à l'heure, mais là aussi, même chose, différence d'impact très forte entre un climat où on laisse filer ou un climat où on s'occupe de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors maintenant, l'effet plus proprement océanique. Il y a un premier effet qui est extrêmement important, qui est l'effet d'augmentation du niveau de la mer. Et presque tout ce qui concerne l'océan, et c'est là le message principal des trois exemples que je vais prendre, c'est un effet différé. Vous avez ici l'augmentation du niveau de la mer prévue par les modèles jusqu'en 2100. Et ce que vous voyez, c'est en gros une augmentation, si on prend la moyenne, c'est de 30 cm à peu près, ou 40 cm avec une fourchette selon les calculs qui va d'un peu plus ou un peu moins de jusqu'à 1 mètre éventuellement de relèvement du niveau de la mer en 2100. Si vous regardez les cotes de couleur, vous voyez qu'il y a très très peu de différence entre la courbe verte par exemple et la courbe rouge pointillée, contrairement à tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une logique où en fait le niveau de la mer il augmente parce que l'océan se dilate, c'est une pénétration très lente du chauffage dans l'océan. Il augmente parce que les glaciers fondent, et les glaciers, ça prend beaucoup de temps à fondre, on les voit fondre déjà maintenant, et ces effets sont déjà indexés sur les émissions de gaz à effet de serre qui ont eu lieu, déjà. Et c'est-à-dire que pour le 21e siècle, en très grande partie, l'augmentation du niveau de la mer est tributaire de ce qu'on a fait au XXe siècle. Et ce qu'on va faire maintenant va conditionner très largement
les mesures qu'on peut prendre dès maintenant, ce qui va se passer plutôt au 22e siècle. C'est un effet retard dans l'effet du climat sur les océans qui est absolument considérable. Alors, dans cet effet retard, on n'a pas pris en compte un certain nombre... Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que ça, ce sont des prévisions qui ont été faites par des modèles sur la seule base des équations et qu'on vérifie maintenant. Il y a des satellites altimétriques qui montrent qu'on est sur la base de 3 mm par an de relèvement du niveau de la mer, qui est tout à fait dans les purs de ces modèles et qui est plus rapide que ce qu'on avait constaté au XXe siècle. Dans cette inertie du système, il y a des effets de surprise possibles. Alors, on n'a pas du tout considéré, par exemple, dans ces évolutions, la fonte possible du Groenland ou de l'Antarctique. Alors, je montre ici une image qui est une image. Oui, si, je pense qu'on la voit. Le rouge, c'est la glace. Voilà, avec une glace qui est rouge ou bleue. Ça, c'est une vision satellitaire de la glace. Qui, quand elle est bleue, c'est qu'elle coule très vite. Et donc pour le bilan de masse de glaciers comme le Groenland ou l'Antarctique, ce qui compte, c'est la capacité éventuelle de changer la dynamique des glaces et de faire que ce sont des glaciers qui ne fondent pas vraiment au sens où les glaciers de montagne peuvent fondre, mais qui amènent des glaces à la côte par une dynamique qui est constante. Et qu'elle est susceptible aussi de modifications. Alors l'idée qu'on avait généralement, c'est que cette modification ne se produirait pas au XXIe siècle, et les montées du niveau de la mer que j'ai montré tout à l'heure, c'est des calculs de modèles qui ignorent la fonte possible du Groenland ou de l'Antarctique, on est moins sûr. Alors ça fait partie de ces choses qui sont très délicates, parce que ça, c'est du domaine du plausible, peut-être pas l'effet le plus plausible au XXIe siècle, mais c'est du plausible à plus long terme. Et ça change complètement la nature des risques. Parce qu'il est évident que si le Groenland ou l'Antarctique se mettent à fondre, on ne parle plus de dizaines de centimètres, mais éventuellement de beaucoup plus. Donc, il y a sur ce problème du relèvement de la mer cet effet différé, considérable, avec ce risque qui survient à un moment futur qu'on ne connaît pas, que les choses s'accélèrent brutalement. Alors, l'idée qu'on a aussi un risque avec une accélération éventuellement des processus pour l'océan, ça joue aussi au niveau des courants. Donc l'océan accumule de la chaleur, mais il la redistribue par ses courants. Et parmi les courants océaniques les plus importants au niveau climatique, il y a un courant qui correspond aux petites flèches noires qu'on va voir en haut à gauche. C'est très agrandi et c'est peut-être pas une qualité parfaite, qui amène de l'eau chaude de l'océan Indien jusque vers le Groenland. Cette eau plonge et revient. Alors on appelle ça le Gulf Stream dans l'océan Atlantique Nord, mais en fait c'est une circulation beaucoup plus globale qui régule la chaleur dans les océans sur une période de temps plusieurs milliers d'années. Mais qui peut bouger dans l'Atlantique très vite, dans l'Atlantique Nord, si la plongée des eaux dans l'Atlantique Nord s'arrête brusquement. Alors, dans nos modèles, on voit qu'effectivement, dans un climat futur, il peut se produire ce qui s'est produit dans le passé, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que les eaux de surface qui arrivent au niveau du Groenland, en fait, c'est dans la mer du Labrador, au-dessous du Spitzberg, deviennent moins salé parce qu'il pleut beaucoup, parce que les glaciers fondent, parce que les rivières apportent plus d'eau vers l'Atlantique, deviennent plus chaudes, et elles ont moins tendance à plonger, et cette circulation a tendance à s'atténuer. Alors si vous regardez le diagramme en bas à droite, c'est la quantité d'eau transportée par les océans dans tous ces modèles climatiques. Jusqu'en 2100, ben, ça a tendance quand même à décroître. Maintenant, est-ce que ça peut décroître jusqu'à une valeur terminale où on aurait une catastrophe irréversible, on ne sait pas. La réponse, c'est que c'est pareil, on ne sait pas. Et comme on s'arrête en 2100, on sait encore moins, parce que l'échelle des catastrophes peut aller au-delà de 2100. Donc on a le même genre de problème quand on parle des courants océaniques. On a éventuellement des processus qui commencent comme une perturbation lente, progressive, mais qui, passé un certain seuil, qu'on ne connaît pas bien, peuvent devenir irréversibles. Alors,
Je voulais prendre un troisième exemple. Alors, ça, c'est pour montrer que les courants, c'est un petit peu plus compliqué que ça, quand même, et que, bon, on a besoin de... Ça, c'est les tourbillons dans l'Atlantique Nord, vus par Topex. Bon, c'est une vision simplifiée de la réalité, mais je voulais te prendre un troisième exemple. C'est l'aspect modérateur des océans, actuellement, tient aussi à son rôle biologique. Donc là, vous avez... Une carte du phytoplancton dans l'océan, donc vue par satellite, qui est donc une mesure simple faite en regardant la couleur de l'océan essentiellement. Donc vous voyez des zones très précises où le phytoplancton se forme, qui sont dictées par la climatologie des courants océaniques. Donc les courants remontent, amènent du phytoplancton en surface. Alors, globalement, l'océan joue un rôle modérateur parce qu'il absorbe une partie du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Alors, c'est un rôle qui est partagé avec la végétation continentale. Dans l'océan, la végétation ne joue pas un rôle direct. Il y a d'abord une dissolution du CO2 et puis éventuellement un relais par la biologie océanique. Mais on a la moitié à peu près du CO2 émis dans l'atmosphère qui est capté par soit l'océan, soit la végétation continentale. Et toutes les projections que j'ai montrées précédemment, c'est des projections où on suppose que ce rôle modérateur continue. Mais rien n'est moins sûr. On peut penser qu'à l'échelle de quelques décennies, ce rôle modérateur peut là aussi s'arrêter parce que l'océan ne va plus fonctionner de la même manière. Et incidemment, j'ai montré le rôle tout à l'heure du Gulf Stream, l'arrêt possible du Gulf Stream. Ceux qui ont vu le film le jour d'après ont vu des conséquences dramatiques sur les États-Unis. C'est pas vraiment ce qui peut se produire. Ce qui peut se produire surtout, si l'océan se met à fonctionner différemment, c'est une modification drastique des écosystèmes océaniques, de la biologie océanique, et ce sera, à mon avis, la conséquence la plus forte d'une modification du climat de ce type, bien avant d'affecter un petit peu en négatif, en diminuant un peu le réchauffement sur l'Europe ou sur les États-Unis. Voilà, donc je voulais montrer ces quelques exemples, je ne vais pas aller plus loin, mais parce que je crois que ce qui caractérise l'évolution de l'océan, c'est que comme c'est un système qui porte la mémoire du système climatique, il la porte de différentes manières, je voulais citer au moins ces trois exemples, il porte aussi des risques qui sont d'une nature très différente, le risque d'avoir une rupture quelque part dans le futur, qu'on ne sait pas bien situer, c'est-à-dire on sait que c'est plausible d'avoir à un certain moment le franchissement de lignes rouges dans notre évolution du système climatique. On ne sait pas très bien où sont ces lignes rouges. Et par rapport à ce qu'on peut prendre comme mesure, on disait d'essayer de finir sur une note positive justement. C'est vachement dur pour un climatologue aujourd'hui. C'est difficile, mais je crois que la morale la plus forte qu'il y a derrière ces exemples, c'est dire qu'on n'est pas du tout, quand on parle d'essayer de modérer les effets du changement climatique, dans une logique du tout ou rien. On a un système qui va évoluer, et on n'empêchera pas un certain niveau d'évolution du système climatique. Par contre, cette évolution peut devenir dangereuse à partir de seuils qu'on ne connaît pas bien. Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, et qui peut paraître éventuellement insuffisant, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait à l'échelle du problème complet, et peut-être l'action qui nous empêchera de franchir ces seuils de danger qu'on ne connaît pas bien et qui sont un peu plus loin dans le futur, mais qui dépendent de nos actions dès maintenant. Et donc, je crois que le message, c'est qu'on n'est pas obligé de résoudre le problème complètement, mais on a le devoir de le résoudre et de l'attaquer dès maintenant. Parce que ce sont les effets de maintenant qui conditionnent le futur. Mais tous les effets, toutes les mesures qu'on peut prendre, et je pense qu'il y a toute une gamme de choses... qui chacune porte une partie de la solution. Il n'y a aucune solution miracle, mais il y a plein de choses qu'on peut faire et qui contribuent à apporter des solutions. Eh bien, même si c'est partiel, ça c'est peut-être l'élément clé qui évitera justement dans le futur des dérives. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, mais je crois qu'on va l'applaudir parce que c'était quand même une météo particulièrement claire, en tout cas dans ces enjeux.
On va peut-être aller faire un petit tour sur la banquise, justement, parce que je propose qu'on descende par le sud, puis qu'on remonte doucement vers des eaux plus douces ou plus chaudes. Laurent Chalet, comment ça se passe 2 ans là-bas sur la banquise? Parce que quand on voit le film, on a quand même froid pendant 2 heures. Enfin, vous avez passé 2 ans, je dirais, ou presque. Racontez-nous. Non, pas 2 ans, 13 mois, c'est 13 déjà mois. Largement suffisant, je peux vous l'assurer. Oui, c'était quoi les températures pour donner une idée de l'ambiance? La température en hiver, on était à moins 30 en moyenne. Un petit moins 30. Petit moins 30 en permanence. Et tout le temps. Tout le temps, sauf alors événement climatique extrêmement étrange, en plein hiver au mois de juillet, alors que les températures étaient en dessous de moins 30, on a eu pendant quelques heures une température positive de plus 0,2 degrés qui a été mesurée. Alors bon, c'est comme ça d'un coup. Voilà, comme ça d'un coup pendant quelques heures. Récré, mais c'était pas la récré pour les manchots parce qu'à cette température-là, évidemment, ils suffoquent. Ils ont extrêmement chaud, c'est le cas de le dire. Et ça n'a duré que quelques heures. Ça n'a duré que quelques heures, mais c'était assez étonnant. Mais et ça, quelques heures, comme ça? Oui, quelques heures seulement. C'est un phénomène très ponctuel qui, à mon avis, ne répond pas à des grands schémas de climat. Mais voilà, c'était assez étonnant. Et ça correspondait, en fait, à l'époque de la canicule en France, en 2003. Et bon, on a eu des échanges de mails avec la métropole à ce sujet. Et c'était assez étrange comme événement concomitant. D'accord, donc vous receviez, il fait très chaud. Et vous répondez, nous aussi, Il fait chaud, on a plus 0,2. Bon. Et alors, est-ce qu'on voit, parce qu'on entend souvent dire que ça fond, que le permafrost gèle, enfin, on entend plein de choses terribles. Est-ce que, première impression, à l'œil nu, quand vous sortez l'œil de la caméra, on voit des modifications ou... Alors, c'était mon premier et unique voyage en Antarctique, donc je n'ai pas d'éléments de comparaison et je ne suis pas spécialiste de la question. Maintenant, c'est vrai que visuellement, on ne voit absolument rien du réchauffement de la planète. Ça reste tout blanc, tout bleu. Et je dois même dire que l'année où nous avons tourné, la banquise était extrêmement étendue et solide, à tel point qu'il nous a fallu prolonger notre séjour là-bas pour pouvoir filmer la mise à l'eau des poussins des manchots empereurs qui avaient du mal à atteindre la mer. D'accord, parce que c'était... Parce que la banquise, grâce à un hiver très, très, très rigoureux, a été suffisamment solide pour ne pas débâcler trop tôt et voire même débâcler un petit peu tard par rapport à d'habitude. D'accord, donc de toute façon, il y a un petit impact pour les manchots. Ce qu'on ressent par contre, quand on est là-bas et qu'on est comme ça témoin de la vie animale pendant toute une saison, puisqu'on est resté 12 mois là-bas, c'est l'extrême fragilité de tout ce système. On sent bien que tous ces animaux dépendent de la banquise, dépendent d'un équilibre qu'il y a là-bas, et que si cet équilibre est rompu, toute cette faune, toute cette flore sera perturbée et sera malheureusement perdue. Je ne sais pas si on a des images, on a une bande-annonce peut-être, parce que ça serait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, si on peut avoir quelques images, c'est vraiment cadeau. Alors, je ne sais pas, j'arrive pas à voir la régie. On a des images ou pas? Oui, non? Si c'est oui, vous baissez la lumière, par exemple. Merci.
Ça marche à chaque fois, hein, c'est magnifique. Alors, vous étiez basé où? Parce que j'imagine que vous n'avez pas fait 13 mois sous la tente, quand même. Donc, non, vous avez trouvé des copains dans la région? Voilà, on a été accueillis par l'Institut polaire français, l'IPEV, qui a une base permanente en Antarctique, la base du Mont d'Urville, qui est située en fait sur une petite île qui s'appelle l'île des Pétrels, à 5 km du continent lui-même, et qui est entourée d'eau. Donc, pendant la brève période d'été, on y accède en bateau. Et dès le mois de mars, l'eau commence à geler et puis finalement on est entouré d'eau de mer glacée. Et les gens qui restent là-bas restent longtemps? C'est des missions longues? Alors nous partagions le quotidien d'une vingtaine de personnes, personnel scientifique et technique, qui restent toute une année là-bas et les équipes se relayent, ce qui fait que la base, c'est une base qu'on appelle permanente puisqu'elle est en fonctionnement toute l'année et tout le temps. Quoi, en fait. Et le soir à la veillée, parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit dans la région, ils échangeaient un peu leurs impressions. Est-ce qu'il y avait des témoignages de modifications ou... Alors, l'expérience d'un hivernage dans une base scientifique comme ça, en totale autarcie, c'est une expérience assez étrange et effectivement, on peut noter dans des changements de comportement au cours de l'année. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Il y a des espèces de réflexes, je dirais, de survie psychologique qui apparaissent pour pouvoir supporter cet isolement. Et d'un point de vue écologique, ils font comment? Parce que la benne des bois ne doit pas passer tous les matins. Alors oui, effectivement, d'un point de vue écologique, la base a beaucoup changé depuis les 50 années qu'elle existe. C'est vrai qu'au début, la conscience écologique des personnels polaires était peut-être pas comme celle de tout le monde n'était peut-être pas au top, ce qui fait que les déchets étaient systématiquement jetés à la mer. Aujourd'hui, tout est recyclé. Et je dois impact dire. Impact zéro. Alors, impact zéro, sauf les eaux grises qui vont dans la mer. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas les ramasser. Mais toute la base met un point d'honneur à trier tous les déchets. Je vais vous dire d'une façon très, très drastique. On sépare le verre blanc du verre vert, du verre marron. On met les canettes en alu d'un côté, les canettes en acier d'un autre. Ça occupe un peu le soir, quoi. Alors, ça occupe énormément de temps. Avant, ils taillaient des eaux de... on s'occupe beaucoup à faire ça. Et puis, il y a toute une organisation, tout un schéma qui fait que finalement, ça passe totalement dans les mœurs au bout de quelques semaines et on le fait sans même réfléchir au bout du compte. Et le bateau, l'Astrolabe qui fait la navette entre la Tasmanie et la Terre Adélie, ramène tous les ans les déchets produits sur la base, les ramène jusqu'en Australie pour qu'ils soient retraités. Et voilà, tout est recyclé, compacté pour être ramené en Australie. Mais bravo. En tout cas, c'était un superbe film, un superbe témoignage. Espérons seulement que, effectivement, la vue de ces manchots empereurs donne envie de préserver l'environnement, parce que si on n'a plus le plateau blanc, on n'a plus les acteurs. C'est un petit peu le but de ce genre de film, c'est de faire prendre conscience à beaucoup de gens de la beauté de la nature et de sa fragilité, et en créant une empathie comme ça pour tous ces personnages, en l'occurrence, on peut espérer que ça éveille encore plus les consciences. Donc n'oubliez pas le défi CO2, plus il y en aura et ça fait du bien, c'est bon pour les manchots empereurs. Voilà, ben merci beaucoup Laurent. On va peut-être remonter un petit peu plus sud, Nardo, si tu veux bien, tu nous bien sors du froid, oui. Tu nous remets à ramener le soleil. Alors est-ce qu'on commence déjà à voir un petit peu des effets du réchauffement climatique sur notre bonne vieille Méditerranée ou ailleurs, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que quand même on est très utilisateur de cet océan, qui est à la fois notre radiateur, thermostat, mémoire, mais aussi un petit peu notre lieu de vie. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux et puis voir un peu comment on pourra faire mieux plus tard? Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai été enthousiasmé par ce film, bien sûr, comme tout le monde. Et il faut espérer que ces écosystèmes extrêmement fragiles, comme nous l'a montré notre météorologue, puissent persister à l'avenir. Car, comme vous l'avez dit très justement, c'est au pôle où se manifestent les plus fortes concentrations en gaz carbonique et également les perturbations les plus évidentes. Eh bien, je partage tout à fait votre point de vue lorsque vous nous dites qu'on ne pourra pas stopper totalement cette évolution vers un réchauffement des masses océaniques et donc la perturbation des écosystèmes. Et il est vrai que si dans l'océan mondial, il y a encore ces remontées
profonde par des courants que les anglo-saxons appellent upwelling, qui apportent des sels nutritifs en grande quantité, ce qui favorise la production de plancton. Il est évident que si cet écosystème est perturbé, nous n'aurons plus, il y aura une modification de ces upwelling et donc une modification totale de l'écosystème. Et pour en venir à la Méditerranée, qui ne possède pas beaucoup d'upwelling, qui est une mer pauvre par définition, c'est la mer bleue, c'est la mer modèle qui permet de comprendre d'ailleurs le fonctionnement de l'océan mondial. Eh bien, cette Méditerranée subit déjà les effets du réchauffement, puisque en une cinquantaine d'années, la moyenne de la température de l'eau a augmenté d'un demi degré en une cinquantaine d'années. On parle d'un degré en 100 ans, je l'ai entendu dire également. Et par conséquent, l'écosystème est déjà en pleine évolution. Nous constatons la remontée d'espèces plus méridionales. Le mérou, par exemple. Déjà, que l'on est en train de traiter actuellement à Collioure, puisque c'est le 20e anniversaire du groupe d'études du Mérou qui se penche sur le devenir de cette espèce emblématique de la Méditerranée. Le Mérou, en 1980, ça n'est pas loin, les scientifiques pensaient qu'il ne se reproduisait pas sur les côtes de Provence, qu'il se reproduisait au sud de l'Italie, au sud de l'Espagne. Eh bien, on constate aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un moratoire protégeant le Mérou depuis 1992, mais on constate effectivement que depuis le début des années 90, le Mérou se reproduit sur nos côtes et que grâce à ce moratoire, nous avons des familles entières de Mérou, essentiellement dans les zones protégées, bien entendu, comme Port-Gros ou la réserve de Scandola en Corse ou encore en Espagne, les îles Médas. D'autres espèces qui ne vivaient que dans la frange méridionale sont pêchées actuellement par nos pêcheurs locaux. Je veux parler des balistes. La girelle pan, qui est un merveilleux poisson ressemblant à un poisson tropical, à un poisson perroquet, est abondante actuellement sur notre littoral, et ceci à faible profondeur. Et puis, des espèces que l'on croyait être disparues dans les années 80 aussi, réapparaissent en grand nombre sur le littoral immédiat, et là aussi à faible profondeur, le corbe par exemple, qui est un merveilleux poisson vivant en groupe et qui était une proie idéale pour les chasseurs sous-marins. Et puis, il y a des espèces véritablement tropicales. C'est ce que l'on appelle les espèces lessepsiennes, qui arrivent par le canal de Suez. Il y en avait déjà dans le bassin oriental, sur les côtes syriennes, sur les côtes libyennes, mais elles n'étaient pas parvenues encore jusque dans la Méditerranée occidentale. Or, depuis une dizaine d'années, là aussi, on voit apparaître des espèces véritablement tropicales et qui concernent tous les groupes zoologiques, pas uniquement les poissons. Bien sûr, les poissons, on les voit immédiatement, ce sont les barracudas. Il y a des barracudas dans la région. Des barracudas en grand nombre, et notamment à Port-Cros, où il y a des bancs de 150-200 barracudas que l'on peut observer au cours d'une plongée avec les autres espèces qui sont présentes, les espèces locales et les fameux mérous. Il y en a plus gros, genre requins Les requins existent en Méditerranée. Toutes les espèces de requins sont présentes. Les plus gros, le requin blanc est en Méditerranée depuis toujours. Ils suivent les navires, ces requins. Et puis il y a des requins véritablement endémiques de la Méditerranée. Le pot bleu, par exemple, que l'on connaît depuis toujours, que les pêcheurs ramènent. Le centrophorus, qui est un requin de profondeur 400 mètres de profondeur, ça n'est pas très profond, ça n'est pas encore les abysses, mais qui a été exploité pour son foie, car il renferme une huile, le squalène, qui est utilisée pour fabriquer les cosmétiques. Mais malheureusement, il y a des prélèvements abusifs et on ne connaît pas la dynamique de ces populations de requins. Il y a aussi des raimentas autour de la Corse. Et puis, parmi les animaux moins visibles, mais qui sont quand même, qui appartiennent à l'écosystème méditerranéen, il y a un groupe merveilleux, les limaces de mer, que l'on appelle, ce sont les nudibranches. Eh bien, nous avons actuellement dans le bassin occidental des nudibranches de l'océan Indien, une dizaine d'espèces. Et par conséquent, il y a un glissement. Ça fait un peu loin, l'océan Indien. Il y a un glissement de ces espèces. Certaines ont déjà disparu, puisqu'elles sont en limite de distribution
nord-septentrionale et d'autres disparitions. Et elles ne se sont pas échappées de l'aquarium Pas du tout. Ça fait long, pour une limace. Non, absolument pas. Elles ne se sont pas échappées de l'aquarium. On les avait déjà observées au début des années 70, près des côtes d'Israël. Et ensuite, elles sont remontées progressivement. On a beaucoup parlé, et je n'en parlerai pas, d'une algue tropicale qui a été introduite accidentellement. Je n'en parlerai pas. Mais il en existe une autre qui est beaucoup plus insidieuse, qui est remontée toute seule sur les côtes italiennes. D'abord, on l'a signalé en 95 sur les côtes italiennes. On peut dire son nom, celle-là ? Elle est chez nous maintenant. C'est Colerpara cimosa. Et celle-ci présente la particularité de se reproduire non seulement de manière végétative, comme par stolon, comme Colerpa taxifolia, ça y est, j'ai dit le nom, mais aussi de manière sexuée, c'est-à-dire qu'elle va émettre des spores, et là, on ne pourra plus suivre. Et elle est partout. Elle est amenée également par les ancres des bateaux qui les arrachent et qui vont les répandre dans les criques abritées. C'est le cas à Porquerolles. Même couleur que l'autre ou... Elle est moins belle. L'autre est très belle, discrète, faut le dire. Plus difficile belle, à repérer. Ouais. Celle-ci est moins belle parce que c'est une sorte de réseau, une sorte de toile d'araignée rampante sur le fond, avec des frondes qui n'en sont pas, puisque ça ressemble à des graines de raisin, d'où le nom de racemosa, graines de raisin. Et celle-ci, eh bien, on en parlera beaucoup plus longtemps que l'autre. Et donc, il y a un glissement de l'écosystème et certaines espèces, qui sont des espèces atlantiques, continueront à survivre dans l'océan Atlantique, mais on les verra de plus en plus haut. Et ce sera valable aussi pour la végétation terrestre, on en a parlé. Si l'on continue, si on n'agit pas immédiatement, il est certain que Marseille, en 2100, aura le climat de la Libye. Donc on aura Tropic Beach, en fait, bientôt. Voilà, bien sûr. Donc, il faut, comme vous le disiez, agir dès maintenant, de manière à se situer dans votre prévision la plus basse. Et par conséquent, il faut cesser d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On l'a dit à diverses reprises au cours de ce festival. Je le répète également. Alors, on sait déjà maintenant ce qu'il faut commencer à essayer de faire pour justement baisser la température, enfin, du moins, cesser l'augmentation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour les poissons qui sont déjà là, qui résistent quand même plus ou moins bien à toutes ces modifications? Parce que j'ai entendu parler de crise de logement sous-marine l'autre jour. Est-ce que c'est possible que... Parce que d'un côté, on entend dire qu'il n'y a plus de poissons et maintenant on entend dire... Il y a des crises de logement. Pour quelles raisons? À cause des rejets d'eau usée encore mal épurée. Il y a des progrès, cela dit, depuis 1985, avec le vote et la mise en place du plan d'assainissement du littoral en Provence-Côte d'Azur, bien, il y a des progrès considérables. L'écosystème littoral se porte beaucoup mieux, mais ça ne suffit pas. Je sais que l'on parlera, on en a parlé déjà, le maire lors de l'inauguration a parlé de l'amélioration du fonctionnement de la station de Marseille. Une station d'épuration telle que celle de Marseille ou d'autres sur le littoral de type physico-chimique fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle épure à 55%. Et l'on continue, bon, on va améliorer cette épuration avec le biologique qui va être à rajouter, mais si l'on continue à rejeter à la côte, on n'aura pas résolu le problème. Parce que le maximum de vie sur ce littoral méditerranéen très étroit, ce maximum de vie se manifeste sur cette frange littorale et jusqu'à 100 mètres de profondeur. Au-delà, la vie est beaucoup plus clairsemée. Donc les poissons, c'est comme les touristes, c'est à 100 mètres de la plage. Si on détruit leur habitat, les rejets ont détruit des milliers d'hectares de forêts sous-marines, les herbiers de Posidonie qui constituent l'écosystème essentiel de l'ensemble de la Méditerranée. C'est 7% de ce littoral, les herbiers de Posidonie. Et ils ont été détruits par les rejets d'eau usée, par les aménagements, on en parlera tout à l'heure, mais pour revenir aux eaux usées, si l'on continue, même après épuration, à rejeter à la côte, on n'aura pas résolu le problème. Et si on ne rejetait plus du tout? Ce serait la meilleure solution, chère Patricia. Et là, je rejoins les idées d'un certain Paul Ricard, ouais, ton grand-père. Ça, ouais. Car son idée était de dire, et il avait raison, je souscrivais à cette opinion, il paraît aberrant, totalement aberrant, de rejeter à la mer un produit qui a coûté très cher à épurer.
Pourquoi ne pas le réutiliser pour lutter contre les incendies de forêt, par exemple, qui font partir nos belles pinèdes enfumées chaque année, pour arroser les golfs, les pelouses, que sais-je encore, plutôt que d'arroser, pardonnez-moi, les rues de la ville de Marseille avec la meilleure eau d'Europe, c'est-à-dire l'eau de la Société des eaux de Marseille, qui ne renferme que très peu de chlore, comme on le disait tout à l'heure. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, évidemment, et puis des situations. Voilà. Des situations. Par conséquent, si l'on veut préserver toute cette frange littorale après épuration, mieux vaut rejeter en profondeur, et ce n'est pas une vue de l'esprit, car il y a eu des travaux, mais les travaux des scientifiques apparaissent dans le grand public ou bien chez les décideurs très très longtemps après qu'ils aient été publiés. Et par conséquent, nous avions eu en 1985-90 une étude qui était financée par l'IFREMER, organisme d'État, qui participait à cette étude. Cela s'était soldé en 1990 par un colloque à l'île de Bain d'Or, où l'on avait démontré que, après une épuration, quelle qu'elle soit, déjà physico-chimique à l'époque, si l'on rejette en profondeur, il y a, au fond, à l'interface entre l'eau et le sédiment, une vie bactérienne intense. Ça n'est pas les bactéries pathogènes qui arrivent justement avec les eaux usées. C'est une vie bactérienne considérable avec de très nombreuses souches de bactéries qui vont se charger de dégrader pas mal de molécules. Et l'hydrodynamisme qui est bien connu dans la rade de Marseille, les océanographes le connaissent depuis plus de 60 ans, ils ont fait les prévisions, ils ont fait les cartes, eh bien, si l'on tient compte de cette courantologie pour rejeter plus loin, et là encore, c'est réalisable, ça ne figurait pas dans les directives européennes. Aujourd'hui, dans la loi cadre sur l'eau, on parle déjà de récupération des eaux épurées. Mais dès 1989, à Monaco, ça n'est pas l'Europe, un ingénieur, René Boucher, je le cite, puisqu'il a d'abord occupé un poste à la DDE des Alpes-Maritimes, René Boucher a réussi la totale à Monaco dès 1989. La totale ? Deux ans, je vais dire ce qu'est la totale, deux ans après l'inauguration de la station d'épuration de Marseille. C'est-à-dire que, l'ayant rencontré, il m'a dit... Marseille aurait pu faire l'économie de la prédécantation et se payer le rejet en profondeur. À Monaco, il n'y avait qu'un dégrillage et un déshuilage. C'est le premier compartiment. Et donc, tout allait à la mer sans aucune épuration véritable. René Boucher a réalisé une station d'épuration avec le physico-chimique, le biologique et le rejet à moins 100 mètres. Et les plages chics du Larvoto se portent à merveille. Et quant à cette station d'épuration, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Elle est sous un immeuble de 8 étages et 2 niveaux de parking. Elle est efficace. Certes, Monaco, ça n'est pas Marseille. Elle ne traite pas 1 million d'équivalents habitants comme Marseille. C'est 60 à 90 000. Mais ça marche. Et par conséquent, je pense qu'on pourrait réaliser cela sur l'ensemble du littoral français, littoral méditerranéen français. Encore que, j'écoutais tout à l'heure la discussion, il y a d'autres solutions que l'énorme cathédrale souterraine. Il est vrai qu'à Marseille, vu la morphologie, la géomorphologie de ce littoral, on ne pouvait pas faire autrement, étant donné aussi la population importante. Par contre, lorsque l'on dispose de surfaces, eh bien, la meilleure épuration en l'état actuel des techniques, c'est le lagunage. Mais le lagunage, ça fait travailler qui ? Des terrassiers. Hein, on va creuser des lagunes, aïe, aïe. On va suivre l'évolution de ces eaux usées, il va y avoir production de plancton que l'on peut récupérer pour l'aquaculture, comme cela se fait à Metz, où nous avons travaillé aussi, avec le maire de Metz, qui est un élu vert, qui s'appelle Pietrasanta, et c'est un chimiste de formation. Donc, il savait de quoi il parlait, et il a créé un centre de recherche sur son lagunage, qui fonctionne à merveille. Et à la sortie, eh bien, on a une eau épurée à 99%. J'ai entendu dire qu'on aurait pu la consommer. Je n'irai pas jusque-là. Mais il est vrai que ce procédé n'est pas nouveau. Le Cadarache l'avait testé sur l'île de Porquerolles en 1975. Premier lagunage pilote.
et qui fonctionne encore aujourd'hui avec une végétation admirable qui pousse autour des bassins. Et dans les bassins, les derniers bassins, il y a du poisson aussi. Tu parlais de poisson rouge, il y a des carpes également. Voilà, donc c'est une des solutions. Et puis, pourquoi ne pas diversifier, même au sein d'une grande ville comme ça, eh bien on peut diversifier. Parce que, comme en d'autres domaines, les énergies par exemple, il est bon de diversifier en fonction du site géographique, en fonction des possibilités du milieu. Et donc, on pourrait envisager le lagunage en un endroit, le physico-chimique, le biologique en d'autres endroits, et ainsi de suite. Voilà, c'est et imaginez un émissaire qui emporterait toute cette eau éventuellement vers les côtes nord-africaines où ils ont vraiment besoin d'eau pour le sanitaire ou l'irrigation. Non. L'idée d'en donner un peu à ceux qui nous en ont plus. Nous n'irons pas jusque-là. Puisque non. Tu parles des pays africains, je voudrais citer l'exemple de la Tunisie qui fait une gestion de l'eau véritablement rationnelle et pas depuis hier. Ça remonte à une vingtaine d'années. Ils ont opéré justement au Conseil mondial de l'eau, à l'Institut méditerranéen de l'eau, qui est, dont le siège est ici au Faro. Et il y a une collaboration très ancienne avec l'ONAS, l'Office national d'assainissement en Tunisie. Ce sont des pays qui ont besoin d'eau. Et ils respectent cette ressource essentielle. Car après épuration, ils réinjectent l'eau. Ils l'utilisent pour l'agriculture. Et je crois que c'est un exemple à suivre. Parce que, justement, comme tu le dis, ce sont des pays qui ont besoin d'eau véritablement. Enfin, quel luxe de rejeter toute cette eau à la mer tous les jours. Ça fait ni du bien aux poissons, ni du bien à nous. Enfin, c'est quand même terrible, quoi. Absolument. C'est comme si vous ouvriez les robinets à fond toute la journée. Enfin, c'est empire avec plein d'autres choses. Enfin, voilà. On va peut-être te laisser reprendre ton souffle et on va aller voir du côté de chez les autres, comme on dit. Il reviendra nous parler après des petites sources d'eau sous-marine, parce que ça, c'est important. Maximilien, quand on a un petit peu parlé tout à l'heure, tu me disais qu'on parlait de récifs artificiels. Et alors, tu m'as dit que tu avais un petit peu regardé la chose de plus près, au Japon notamment. Alors, est-ce qu'il y a des solutions malines en termes de, pour résoudre la crise du logement ou pour faire de l'aquaculture, je ne sais pas. Comment ça se passe sous l'eau là-bas? Juste sur ce petit point-là, tu veux ou... Comme tu veux, hein, tu t'attaques par où? D'accord, je commence par me présenter alors. Donc, moi, mon métier avec Mathieu aujourd'hui, c'est l'identification des initiatives qui porteraient des solutions à ce qu'on évoque ici depuis deux jours et pour encore une journée. C'est donc trouver les solutions de l'économie ou de la société de demain qui soient lisibles, duplicables, absolument pas intensives en termes d'énergie et de flotte. Et bien sûr non toxique. Notre mission, quelque part, c'est de résoudre ces problématiques. Alors, j'ai été intéressé par ce que disait Baronnet tout à l'heure, la réflexion sur la maison positive ou sur la maison neutre, mais d'une manière générale, ça va traiter de tous les secteurs ou de tous les sujets économiques. Alors, la table ronde qu'on m'a proposée, tout à l'heure, c'était l'eau douce, maintenant, c'est l'eau salée. Donc, j'ai identifié, moi, deux boîtes en particulier, une en Grèce et une autre en Afrique, en Somalie, qui répondent à peu près à ces critères de résilience ou de récupération de l'environnement. Parce qu'un sujet dans lequel on croit beaucoup, nous, c'est que si on garde la planète en l'état et qu'on se contente, par exemple, solution idéale, de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre. De toute façon, la situation n'est pas gérable, n'est pas viable pour l'essentiel des humains et l'essentiel des écosystèmes. C'est-à-dire que les effets de seuil dont tu parlais, Hervé, sont tels, on ne maîtrise pas, on passe d'un climat stable à un climat instable. Ce passage d'un climat stable à un climat instable, il est de fait enregistré, il est de fait en cours. Et je ne pense pas qu'on puisse s'en contenter. Donc notre objectif, ça serait de rêver, mais de rêver à la résurgence, à la résilience de l'environnement, et notamment en termes climatiques, non pas de stabiliser à 440 ou 550 ppm, comme c'est discuté aujourd'hui au niveau international, mais de redescendre, idéalement, à ces 280 ppm pré-industriels. Jusque-là, c'est naïf. Là où c'est moins naïf, c'est que je suis biologiste et ingénieur agro, et qu'en termes agronomiques, on a pu identifier un certain nombre de travaux à travers le monde qui nous démontrent qu'un désert, une terre très dégradée ou une terre très désertifiée, comme elles sont légion aujourd'hui, vous le savez, à travers le monde, on a des exemples d'individus, en général des chercheurs, souvent des individus, même pas chercheurs, qui se sont mis à vouloir reconquérir des territoires, reconquérir des sols,
Une technologie que vous connaissez sans doute ici, mais en tout cas, ou en tout cas qui fera présenter l'année prochaine, c'est le BRF, le bois raméal fragmenté, et qui existe depuis 20 ans à travers le monde et qui permet de récupérer un sol en une poignée d'années. Poignée d'années parce que quand j'étais à la fac ou à l'agro, on m'expliquait, vous savez, un sol, ça met 2000 ans à se faire. Donc si en pédologie, un sol, ça met 2000 ans et qu'on perd chaque année, vous savez, l'équivalent du Benelux qui se désertifie, je faisais l'équation et je me disais, bah, finalement, à quoi bon s'ennuyer puisqu'il n'y a plus d'avenir possible. Grâce à cette technologie, mais il y en a d'autres, on peut récupérer les sols. Alors j'en viens à mon sujet. Un élément essentiel, ça sera de récupérer les déserts, ou ça sera en tout cas de réimplanter la vie. Alors le premier exemple emblématique, c'est en Somalie. C'est une compagnie américaine qui s'est mise à utiliser l'eau de mer pour transformer le désert en mangrove. Voilà, donc vous imaginez une côte au bord de l'océan Indien. C'est une côte très désertique, hein, c'est-à-dire qu'il pleut 80 mm par an les bonnes années. Donc on est vraiment dans un climat très désertique. Il n'y a que du sable et la caillasse. Et ben, il y a des gens qui se sont dit, on va recréer les conditions qui étaient là, on le sait maintenant en paléoclimatologie, il y a quelques centaines de milliers d'années. Et donc ils ont fait circuler de l'eau de mer. Vous voyez, il y a la côte, il y a l'océan. Ils ont pris cette eau de mer, ils ont créé des bassins. Un peu comme on parlait de lagunage tout à l'heure, sauf que c'est pas pour épurer les eaux. Là, cette fois-ci, c'est pour faire pousser des palétuviers. Et vous savez que les palétuviers qui sont à la base de la mangrove, il y en a trois types, et dont un qui pousse en eau salée, pas saumâtre. Donc ils ont planté des milliers d'hectares à ce jour, dans le désert, de palétuviers. Alors maintenant, c'est très joli, hein, donc il y a même des touristes, mais il y a aussi des oiseaux qui reviennent. Il y a évidemment les crevettes et les crabes et les petits poissons. Donc en fait, ils ont retransformé un désert en un espace de vie et ils ont reconquis de cette manière-là, ils ont réaménagé la vie et c'est assez agréable. Et ce qui est bien sûr très intéressant, c'est qu'une population croissante en vie, puisque les petits poissons et les crabes, bah, ça se vend, ça permet de nourrir les gens. Et puisque la mangrove, on la transforme en charbon de bois, ce qui permet de sauvegarder à côté les forêts primaires ou d'éviter de cramer du charbon. Donc ça, c'est une première initiative qu'on a identifiée, qui est assez sympathique et qui est de toute évidence appelée à un développement international. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et on espère bien pouvoir l'accompagner. Deuxième initiative intéressante, un peu moins ambitieuse et qui fait un peu moins rêver, mais vous verrez qui est assez intéressante aussi, c'est une entreprise grecque qui s'appelle Heliostat et qui va utiliser les calories de la mer pour chauffer ou réfrigérer les logements. Voilà, vous connaissez tous et toutes les pompes à chaleur ou les puits canadiens ou bon, tous ces systèmes de géothermie superficielle plus ou moins performants et astucieux. Et ben eux, en Grèce, ils ont un problème vis-à-vis de la pompe à chaleur classique, c'est que la conductivité des sols est complètement merdique puisqu'il n'y a pas d'eau en général. Donc ils ont un problème, ils ne peuvent pas tellement l'utiliser. Donc ils ont inventé une pompe à chaleur avec l'eau de mer. Donc ils prennent l'eau de mer et ils la font circuler ils la font circuler avec un système d'échangeur thermique, hein, comme une pompe à chaleur classique, ce qui leur permet d'obtenir des économies d'énergie de l'ordre de 40 à 50%. C'est énorme. C'est les meilleurs résultats à ma connaissance. Hein. Je ne suis pas expert sur les pompes à chaleur, mais c'est pas mal parce que c'est très, très performant. Et ils arrivent, en termes de température, peut-être pour les gens qui sont moins initiés aux pompes à chaleur, ça, ils arrivent à maintenir quel genre de température avec ce système ? Ah bah, une pompe à chaleur, c'est pour les plus performantes, celles que j'ai visitées aujourd'hui, c'est vous réglez le thermostat. Hein. Donc en Grèce, en plein été, on peut régler le thermostat sur un petit 22 degrés tranquille. Les maisons pilotes que je n'ai pas visitées personnellement, parce que je limite un peu mes déplacements, mais ce qu'on a vu avec les photos qu'ils nous ont envoyées, de toute évidence, ils nous ont donné les courbes thermiques, ils nous ont montré tout ça. Ils arrivaient aux 22 degrés qu'ils souhaitaient en été grâce à leur mécanisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'habitat individuel, c'est-à-dire qu'ils nous font du chauffage urbain avec leur système, ce qui fait qu'il y a une économie d'échelle assez intéressante. Par contre, ils soulignent le fait qu'il y a une limite qui est la compétition à la ressource, puisque ça rentre en compétition avec un certain nombre d'usages, on va dire, courants, comme le tourisme, etc. Vous ne pouvez pas avoir les deux au même endroit. Bien sûr, ils sont vigilants sur l'absence de caloporteurs chimiques. Hein, donc, ils vont utiliser des fluides caloporteurs qui sont non toxiques,
Et évidemment, l'intérêt systémique hein, du processus, c'est la limitation des émissions de CO2, puisque la clim en Grèce, c'est principalement l'électricité, qui en Grèce est principalement du fossile. Voilà. Donc là aussi, une petite PME débutante, hein, parce que le processus, tous les brevets ont été déposés en 2003 et ils émergent. Mais c'est les éléments qui nous semblent importants à Mathieu et à moi de souligner, c'est qu'aujourd'hui, la société civile hein, s'empare du sujet, comme le disait Baronnet tout à l'heure. Il ne s'agit pas simplement de tout attendre le bec ouvert de l'État ou de la chose publique ou que sais-je. Non, il s'agit de s'y mettre, il s'agit de soi-même créer, bah, peu importe l'organisation, hein, que ce soit une association, une petite PME ou n'importe quoi, du moment que ça permet de faire profiter et de faire partager des bonnes idées, il faut s'y mettre. Voilà. Et ça, c'est ton travail, toi, c'est les repérer, les accompagner et les aider à se développer. Bah, mon travail, c'est, donc il y a plusieurs entreprises. Il y a B-Citizen, je travaille avec les grands groupes et là c'est de faire passer le message d'Hervé et d'autres en disant mais non, il se passe vraiment quelque chose, vous savez le monde change et donc la responsabilité d'un grand groupe bah, c'est de prendre conscience et connaissance et de s'adapter parce que il y a une responsabilité sociétale de ces entreprises qui doit s'exercer par l'adaptation des sociétés et voilà, donc ça c'est B-Citizen et avec Mathieu on a créé B-Positive qui est donc, elle, sur d'autres marchés, plus sur les petits marchés, des petites entreprises émergentes, des gens qui ont, qui se sont donné les moyens de créer quelque chose un peu en rupture et qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de réseaux, qui ont besoin de gens qui parlent plusieurs langues, qui ont... Parce que, donc Mathieu, moi je ne l'ai pas fait, mais parce que je restais en France, Mathieu a fait le tour du monde à travers, pendant un an et demi, il y a maintenant 2 ans, et il est allé, donc avec, sur la base de nos travaux, identifier les 80 hommes. Le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Donc il a pris avec Sylvain Darnil, ils étaient deux. Lui à HEC, Sylvain était d'une école de commerce aussi. Il s'était rendu compte qu'à HEC, ils n'avaient rien appris du tout concernant, on va dire, un certain nombre de disparités ou d'inégalités sociales et environnementales. Il y avait un docteur qui disait la même chose hier d'une université américaine. Il a dit que s'il n'était pas passé au Tibet, il ne se serait pas rendu compte de choses graves. Bon, Mathieu et Sylvain sont allés au Brésil après leur HEC, là. Ils sont allés au Brésil et ils s'en sont pris plein la figure et ils se sont dit, mais attends, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça dans les big business, on a besoin de passer à autre chose. Là, à ce moment-là, ils ont été orientés vers moi pour avoir un peu de cadrage et d'expertise sur les aspects environnementaux. On a programmé ensemble, on a construit un voyage autour du monde. Donc, ils ont visité 140 pays. Ils ont rencontré à peu près 140. Non, pardon. Ils ont visité 40 pays, rencontré 140 personnes. Aussi bien des riches que des pauvres, aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien des entrepreneurs que des associations, parce que pour moi la création et l'entreprise est complètement dépendante de l'organisation. Et ils sont venus, ils ont écrit leur livre que vous pouvez acheter là-haut, qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde, et qui démontre que partout aujourd'hui, où qu'on soit au Népal, en Inde, en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Brésil, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas attendu, comme on le voyait dans le film, que le papa ou la maman les nourrissent, mais qui se sont dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et ils ont inventé, dans une zone, c'est une gestion optimale des déchets, dans une autre, c'est la pompe sans énergie, dans une autre, c'est le traitement de la qualité, comment on se passe des engrais et des phytos dans une rizière, comment on gère l'eau, comment on fait marcher un hôpital comment, gratuit alors, en gagnant de l'argent. Ça, docteur c'est assez bluffant. Docteur V, c'est après je sais. Ouais, après on retourne sous l'eau. On retournera sur le sujet, mais vous savez, dans les pays chauds, il y a un problème, c'est que souvent les pays chauds sont des pays pauvres. Et après ce lieu commun, il y a un deuxième problème, c'est que la cataracte. Est une maladie qui est beaucoup plus fréquente dans les pays chauds puisque c'est un vieillissement accéléré de la cornée. Donc là, on a des zones qui sont particulièrement vulnérables où il y a beaucoup plus de gens qui souffrent de cataractes et qui ont beaucoup moins de traitements que les autres, et notamment en Inde. Et donc là, il y a un monsieur qui est aujourd'hui à la retraite qui s'appelle le docteur V. Moi, je ne me souviendrai pas du nom indien.
Ah, V, c'est la première lettre. Docteur V, ouais, c'est Vandana machin, enfin, c'est très compliqué pour moi, mais vous pourrez le lire dans le livre, qui est allé aux États-Unis dans les années 70 et a été totalement émerveillé par McDonald's. Alors, pas du tout par la bouffe, parce que de toute façon, il est végétarien, mais par le principe de donner accès à tous. Alors, on ne s'intéresse pas à la qualité, c'est juste le principe de donner accès à tous à un service. Et il s'est dit, mais bon sang, en Inde, moi, je vends très très cher un service qui est l'opération de la cataracte à une écrasante minorité d'Indiens. Comment je... C'est lui qui les fait tourner en rond, là. C'est lui qui trouve un système, il invente une opération de la cataracte qui soit accessible au plus grand nombre et pas cher. Et donc, en fait, il importe le système McDo, l'industrialisation de l'opération en Inde. Et il dit, le tiers des gens qui peuvent payer vont payer pour les deux tiers. La face chirurgie vient d'arriver. Mais attention, la face chirurgie, il y a une conséquence qui aujourd'hui est prouvée. C'est que si vous voulez, maintenant, on a 20 ans de recul sur l'événement, si vous voulez trouver le centre de recherche technologique le plus en pointe au monde, là où les Danois, les Américains, les Français, etc., vont faire leur apprentissage, c'est dans la ville où le docteur V a créé son premier hôpital. C'est-à-dire qu'il a tellement industrialisé le process qu'il a eu un retour d'expérience unique au monde qui lui permet aujourd'hui d'avoir développé les technologies les plus performantes et les plus sûres pour les patients. C'est une machine qui opère ? Non, c'est jamais une machine sur ces sujets-là. Vous prenez pas de risque, c'est l'œil, vous ouvrez l'œil. Non. Donc, par contre, il y a des process qu'il a mis en place pour garantir le faible coût tout en garantissant une qualité des services, etc., etc. Et last but not least, en effet secondaire, il s'est débrouillé avec un Américain pour créer une lentille qui ne coûte pas $600, mais coûte $3. Ah, voilà. Joli. Parce que la deuxième limite du Dr V, c'était une fois que l'opération elle-même était hors de prix, mais la deuxième limite, c'était que la lentille était elle-même hors de prix. Et là, il a créé un partenariat avec David Green, un Américain, qui était dans cette dynamique-là et qui a construit une usine pour abaisser les coûts de production de la lentille de $600 à $3, ce qui permet aujourd'hui de traiter, je vais pas dire tous, mais beaucoup plus d'Indiens souffrant de ce problème-là et d'exporter, là aussi, on va dire, la technologie dans d'autres pays émergents. Ce qu'a fait, évidemment, Mohamed Younous avec la Grameen Bank. La fameuse Grameen Bank. Avec la Banque des Pauvres. Certains d'entre vous connaissent, le microcrédit. Qui aujourd'hui est exporté dans quasiment tous les pays du Sud. Ce que fait Hernando de Soto. Enfin, voilà, il y a aujourd'hui des... Les mecs bien reviennent. Les mecs bien, en fait, je pense qu'ils ont toujours été là, mais on a un prisme déformant qui consiste à nous... déresponsabiliser sur la structure. Oui, montrer les méchants. Si vous n'êtes pas terroriste, si vous n'êtes pas pédophile, si vous n'êtes pas condamné, si vous n'êtes pas corrompu, si vous n'êtes pas... Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Vous n'avez aucune chance de faire la une de Paris Match, à moins que vous soyez prince, célibataire et couronné. Ça limite un peu les candidats. notre mission aujourd'hui, c'est de dire, si on veut bien mettre les bonnes lunettes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs au sens créateur qui apportent énormément de valeur au système société et des créations de valeur qui sont en mesure de répondre à ces enjeux globaux et systémiques et locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut juste se donner la peine de ne pas se morfondre, de ne pas vouer aux gémonies d'ailleurs le grand frère américain qui soi-disant est le plus pourri, mais en attendant, moi, une partie de mon business, c'est d'identifier des bons jobs, et je peux vous dire que les Américains font partie de ceux qui aujourd'hui apportent le plus de solutions. C'est-à-dire qu'en effet massique, c'est eux qui sont les contributeurs nets les plus dégueulasses. En effet qualitatif, c'est là où on va trouver les innovations les plus intéressantes pour résoudre tout ça. Et bien sûr, ce sont toujours des petits, des micro-entrepreneurs, etc. Mais ces micro-entrepreneurs... Small is beautiful. Voilà, small is beautiful. Bon, en tout cas, tout le reste est dans le livre. 80 hommes. 80 hommes. Changer. Hommes au sens générique, bien sûr, parce qu'il y a des femmes. 80 hommes pour changer le monde. Bon, voilà, bravo, en tout cas. On va remettre la tête sous l'eau, peut-être, avec toi, Nardo. Quels seraient les 80 gestes pour changer la Méditerranée, enfin, du moins pour la préserver? Donc, on parlait d'impact. C'est beaucoup. Parce que si on comprend bien, l'eau va monter, tout le monde va être au bord de l'eau, parce que c'est quand même mieux d'être au soleil, pas loin de la plage. Donc, quelque part, le littoral va être un petit peu... On peut imaginer que ça va
pas s'arranger le bétonnage et tout ça. Donc il paraît qu'aujourd'hui, on peut trouver des systèmes pour réduire un peu l'impact négatif. Oui, mais bon, tu me demandes quelles sont les solutions. Je n'en proposerai pas 80, mais au niveau de la consommation d'eau. Parce que si l'on se projette vers 2025, il y aura 600 millions de personnes sur le littoral méditerranéen. On est combien là en ce moment ? 600, maintenant c'est à peu près la moitié, 400 Ouh millions. Et donc, la plage, hein. qu'il faudra loger, qu'il faudra nourrir et dont il faudra traiter les déchets. Et puis, le problème de l'eau, on en a parlé lors des dernières réunions, derniers débats, le problème de l'eau deviendra de plus en plus crucial. C'est plus la quantité d'eau qui sera en cause, mais c'est la qualité. Justement, nous avons parlé de l'épuration. Mais il y a des possibilités d'alimentation en eau qui sont insoupçonnables dans les fonds méditerranéens. Et il y a eu une expérience en 2003 par une petite entreprise aubagnaise, Nymphia Water, avec un ingénieur qui est un véritable génie, qui a imaginé une montgolfière sous-marine pour capter les sources sous-marines qui existent un peu partout sur le pourtour méditerranéen. Et pas très loin d'ici, il y en a ici à Cassis même, on connaît très bien la résurgence de Port-Mioux, qui est peu exploitable, mais à des profondeurs accessibles en scaphandre autonome, 35-40 mètres, il y a des résurgences sur la côte italienne, tout près de Menton. Ça a été la première expérience de captage des eaux douces par Nymphia Water, cette petite société. Et en pleine canicule du mois de juillet 2003... Quand il fait 0,2 sur la banquise. Voilà, jaillissait. Oui, là, c'était une température qui s'était considérablement élevée. C'était 27 degrés en surface du côté de Menton. Et l'eau jaillissait à 16 degrés, à 36 mètres de profondeur, donc canalisée vers la surface. On obtenait une fontaine avec de l'eau empiégée, une partie du sel. Et l'eau qui jaillissait contenait un demi-gramme de litre. De sel au litre, donc de la Contrex, sans faire de publicité. Et il fait maigrir en plus. Et donc, mais très diurétique d'ailleurs. Diurétique. Et donc, cette source a été captée, 100 litres seconde dans cette époque-là. Et ça intéresse bougrement les Italiens de la Riviera pour arroser leur culture en terrasse et également pour la consommer. Oui. C'est le premier exemple. Partout en Méditerranée, il y a ce type de source sous-marine et on en a détecté une au large des côtes syriennes, dont le sud a besoin d'eau, à 2 km au large de ces côtes, une nappe en surface de 250 mètres de diamètre avec un débit estimé de 2 mètres cubes seconde. Alors c'est une manne pour les pays du sud. Donc on pourrait cesser la dessalination. Voilà, donc on pourrait envisager le captage qui est très facile à faire, Nymphia Water l'a démontré. Et puis, ça ne fera pas de mal à la Méditerranée si on enlève toute cette eau. Nous avons fait l'étude d'impact. C'est de l'eau qui est perdue, qui vient des sommets. Hein, le relief se poursuit en profondeur. Et donc, cette eau ressort dans les profondeurs. Alors, si j'ai bien compris, on lui prend la bonne et la propre et on lui balance la sale, c'est ça ? Et le problème est là. Alors, le problème est là, c'est que de toute façon, l'eau douce est moins dense que l'eau de mer. Donc, de toute façon, elle va venir en surface autant l'utiliser. C'est une première proposition et d'ailleurs c'est entré dans les faits puisque les ingénieurs d'un Nymphia Water sont demandés un petit peu partout dans le monde, y compris dans les Émirats. Question idiote, elle appartient à qui cette eau ? Cette eau, jusque-là, appartient, comme c'est dans les eaux territoriales d'un pays, donc elle appartient au pays concerné. D'accord. Hein, nous ne sommes pas au-delà, dans une zone qui est international, hein. Donc nous sommes dans un territoire d'un pays donné. Notre proposition, c'est surtout au niveau des aménagements littoraux. On continue à utiliser et à mettre en œuvre des techniques totalement obsolètes que l'on utilisait il y a plus de 100 ans, c'est-à-dire le remblayage du littoral. Pour construire sur le littoral des ports de plaisance, des endigages, des plages artificielles, on pousse à la mer de la terre, des argiles, des gravats, et puis on construit dessus. Et entre-temps, on a détruit des milliers d'hectares de vie. Et pour régénérer un herbier de Posidonie,
En l'état actuel des choses, il faut, pour fabriquer un mètre linéaire de rhizome de posidonie, dont ces tiges souterraines qui permettent le développement de cet herbier, dans des conditions naturelles, il faut 100 ans. Ouh. Donc la destruction de milliers d'hectares à l'échelle humaine est totalement irréversible. Alors qu'il existe des procédés beaucoup plus respectueux du milieu aujourd'hui. Léger, light. Respectueux, light si tu L'impact veux. Impact léger. Car il y a très peu d'emprise sur le milieu. Et ce procédé a été mis au point ici à Marseille par les grands travaux de Marseille. Et nous avons participé à l'étude à l'île des Ambiers, donc à l'Institut océanographique Paul Ricard. Des éléments de au Japon, et à Taïwan et dans toute l'Asie du Sud-Est d'une manière générale, ils ont, vous savez, un goût fameux pour le poisson et pour tout ce qui vient de la mer. Et ils ont un énorme problème, c'est qu'ils ont sérieusement massacré leurs ressources. Et la solution qu'ils ont mise en place au Japon depuis une vingtaine d'années pour augmenter les ressources halieutiques, c'est notamment de mettre quantité de récifs artificiels le plus possible, parce qu'ils ont remarqué que plus ils mettaient de récifs, il y avait un lien direct et proportionnel entre la quantité de récifs et le nombre de poissons, et donc le nombre de poissons qu'on pouvait mettre dans notre assiette. Et c'est en train de se multiplier à vitesse grand V dans toute l'Asie du Sud-Est. Taïwan, qui était bien connu aussi pour sa capacité à ravager les fonds marins et à basculer sur ces rivages artificiels. Et paradoxalement, ça a beaucoup plus de mal à percer en Europe. Ça va percer. C'est vrai qu'il y avait... On va peut-être passer aux questions, parce qu'à mon avis, il va y avoir des questions là-dessus. Et que j'ai vu passer le petit mot, passe aux questions. Donc on y va. Qui prend la première? Monsieur. On ne vous voit absolument pas, donc si on a l'air un peu stupide comme ça, c'est qu'on c'est voit des masses. Ah, voilà, excusez-nous de vous réveiller. Jean-Charles Hardy qui va nous parler des récifs artificiels. Voilà, ah, le papa des récifs de riz. Absolument, d'ici. Alors, le petit micro. Voilà, voilà. C'est le directeur. Et de la qualité de la vie à Marseille. Voilà, monsieur Lardic, directeur de l'environnement et de la qualité de vie partagée. Oui, je serai très bref, simplement pour vous inviter à voir sur les stands, sur un petit écran et sur un écran géant, le film qui présente le projet de récif artificiel, justement, de la ville de Marseille, puisque à la fin de l'année, on devrait commencer à immerger les premiers éléments d'un programme qui est le plus grand programme de récif artificiel jamais construit en France. Donc, on a bien entendu les messages des uns et des autres, et ce sera une grande opération pour la France. Ouais. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les poissons, eux, vont avoir des maisons dans les calanques. Voilà. C'est à leur tour maintenant. Bon, une autre question? Oui, madame. Et après, monsieur avec la casquette. Voilà. Levez bien la main parce que je ne suis pas sûre que l'hôtesse vous ait repéré. Voilà. Madame. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de louper l'hôtesse, madame. C'est comme le bus, ça passe pas souvent. Voilà. J'ai trop de choses. Ça va, tout va bien. Sans stress. Oui, je voulais savoir s'il y a une entente générale de tous les pays de la Méditerranée. Ça dépend sur quoi? Pour justement protéger la mer. Est-ce que tous les pays sont d'accord? Disons qu'il existe un plan d'action pour la Méditerranée. Oui. La Convention de Barcelone qui a été paraffée en 1975, renouvelée en 1995 et qui est toujours en vigueur. Il y a de très nombreux organismes qui émergent à cette convention de Barcelone et qui poursuivent des travaux sur la protection des espaces et des espèces, les aires protégées en Méditerranée, des programmes de recherche qui concernent tous les pays, le programme des Nations Unies pour l'environnement, sur lequel travaillent les scientifiques de tous ces pays méditerranéens depuis le début des années 80. Avec des bilans qui sont faits tous les deux ans lors de rencontres un petit peu comme celle-ci où les chercheurs concernés font état de leurs résultats. Donc ceci permet effectivement de mettre en œuvre diverses solutions pour mieux traiter ce littoral méditerranéen dans son ensemble. Oui, il est évident que les problèmes ne se posent pas de la même façon pour les pays du Nord et pour les pays du Sud. Oui. Et par conséquent, il est important que nous intervenions avec ces pays, que nous collaborions pour essayer de les aider
dans leurs entreprises pour améliorer le traitement des eaux potables, le traitement des eaux usées. Et cela se fait. Marseille a des collaborations avec les pays du Maghreb depuis fort longtemps et également avec les pays du bassin oriental. Et d'ailleurs, il existait un réseau MedCité dans les années 90 qui a très bien fonctionné avec des relations et des programmes nord-sud, est-ouest, sud-sud. Et cela continue. Par exemple, l'Espagne a des relations avec le Maroc sur des problèmes de captage des eaux et d'aménagement de stations d'épuration. Nous avons travaillé ici à Marseille avec l'Albanie, par exemple. Et il était question, à un moment donné, bien sûr, de construire le port de Gaza. Hélas, la situation est telle que ça ne sera pas pour demain, malheureusement. Voilà, donc il y a des collaborations déjà très anciennes et qui œuvrent dans le cadre de ce plan d'action pour la Méditerranée. Oui, il faut que ce soit un travail global, parce que compte tenu que c'est une mer fermée, ou presque... Absolument. Donc, si ce n'est pas global, ça a moins d'effet. Et compte tenu du nombre de fleuves qui se jettent dans la Méditerranée... Très peu. Oh, quand même. C'est pour cette raison qu'elle est pauvre. Ah oui. Mais les fleuves charrient énormément de pollution, oui. Malheureusement. Mais c'est vrai qu'elles se régénèrent que tous les 80 ans. Donc, elles se renouvellent tous les 80 ans. Baignoire qui se change. Voilà. Oui, oui, oui. Ça ne fait pas beaucoup. Monsieur, là-haut, avec l'écharpe. Voilà. Ah non, pardon, vous êtes en troisième. J'avais oublié la casquette. Merci. Bonsoir à vos intervenants. Bonsoir à toute la salle. Bonsoir, merci monsieur. De ce salon qui est quelque chose de précieux. Je me présente Jean-Jacques Battistelli, initiateur d'un projet de stoppage des feux de forêt. C'est au tout début, donc pour l'instant je peux en parler. Là j'interviens pour quelque chose de bien précis concernant la météo. Le 15 octobre 2004, j'ai observé une trombe marine dans la baie de Marseille. C'est un phénomène, comme a dit un spécialiste météo quelques temps plus tard, qui peut être très beau. Mais tant qu'il reste sur l'eau. Or, ce phénomène n'est pas comme un typhon, il n'est pas gêné par la terre, il peut circuler au sol et s'il traverse une ville, il peut y avoir des dégâts considérables, des victimes. Or, depuis un an, j'essaie de passer l'info aux journaux, aux responsables, etc. Il n'y a pas d'écoute parce que le phénomène est trop rare, ce n'est pas connu, ce n'est pas cru. On m'a dit, monsieur, vous êtes le seul témoin, etc. Et je prends le micro, j'en parle. Pour quelque chose de précis, si par extraordinaire il y avait un ou une témoin dans la salle et surtout qui aurait filmé, il y a monsieur, il a des photos. Oui, mais c'est des photos de Cassis. Alors c'est intéressant aussi. Attends, à prendre place au micro. Si quelqu'un à Marseille avait pu filmer ou photographier, ça serait quelque chose de précieux, car à partir de là, l'information passe dans la presse. Il y a deux reporters intéressés. Et la chaîne qui peut être efficace se met en marche. D'accord. Mais et c'était juste une information à faire partager. Vous n'avez pas de questions? Vous voulez que monsieur Letreux réponde? On peut en parler un petit peu, mais on en a parlé un petit peu avec Jean-Yves, je ne sais plus comment, son nom de famille, le responsable de ce. Jean-Yves Casga. Voilà. Mm-hmm. Il a dit OK. Par contre, pour le CD, il a demandé à réfléchir parce que ça peut l'engager d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut en parler de manière ponctuelle, mais je ne veux pas pirater la soirée. C'est une bonne soirée sur les tornades. Donc, appel à témoin à toute personne qui aurait remarqué une trombe d'eau sur Marseille. Alors, le 15 octobre, ça a duré 10 minutes et un témoignage filmé permet de passer l'information dans la presse et ça peut un jour sauver des gens. Qui aurait vu le phénomène? Levez-vous s'il y a quelqu'un qui a vu le phénomène. Alors là, c'est pour le 3 mars à Cassis, ça a duré une demi-heure. Bon, alors 3 mars à Cassis, 15 octobre, c'est ça, 16 octobre. Voilà, et en un an, personnellement, j'ai croisé une dizaine de témoins de diverses... Bon, qui a vu une trombone d'eau dans la région? Trombe. Oui, monsieur, je ne sais pas. Donc, pas de témoins, c'était juste pour des témoins. Non, voilà. Mais moi, j'en avais vu à Cassis le 3 mars 2005. D'ailleurs, j'avais proposé tout à l'heure des photos, de passer des photos. J'avais des photos, même un CD-ROM que vous auriez pu mettre sur un ordinateur. Non, mais on vous croit. Il n'y en avait pas une. Ça avait duré, le phénomène avait duré à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y en avait eu moins six ou sept à la suite, dont un moment où il y en avait quatre en même temps. Bon. Et d'ailleurs, j'avais appelé Météo France qui m'avait dit
On va contacter le sémaphore de Cassis. Bon, j'ai appelé le bureau de Cassis du port qui n'était pas au courant, mais à la fenêtre, il m'a dit « Ah, ben on va voir. Ah oui, bon. » Puis je rappelais Météo France une heure après, qui m'a dit « Le sémaphore, qu'est-ce que ça a donné ?»« Oh, ben il n'a rien vu, il était dans la purée de pois. Voilà. » Ah. Et aucun média n'a voulu en parler. J'avais contacté. Bah, monsieur, je propose que voilà. Vous donniez votre numéro de téléphone sur un site. Comme ça, si les gens voient quelque chose, ils vous appellent et vous devenez voilà, celui qui récupère toutes les infos sur le phénomène. Par non, exemple. Non, mais bon, moi, je peux donner à l'organisateur si jamais ça intéresse les gens. Okay. Voilà. Bon, ben, merci en tout cas. On va prendre la question du monsieur derrière avec l'écharpe parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et beaucoup de bras en l'air. Merci beaucoup de vos témoignages. Oui, bonjour à tous. Victor Hugo Espinosa des Ecoforum. J'ai pas de questions. C'est. Trois remarques. La première chose, j'aimerais que l'année prochaine, quand vous faites cet échange, que vous laissez un peu plus de temps pour l'échange avec la salle. Oui, c'est très important. C'est de ma faute, monsieur, j'ai pas vu. Deuxième chose que je voulais vous dire, moi, je suis de ces gens qui croient que l'eau, c'est un bien commun. Si c'est un bien commun, évidemment, il faut le protéger. Et là, je vais juste vous rappeler trois petites choses. La première, quand on parle de l'eau solidaire, on doit penser à ces 24 000 morts par jour, qui meurent de faim, et beaucoup de ces gens-là, ils meurent de faim dû à des problèmes liés à l'eau. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser aussi que cette eau, qui devient rare dans certains endroits, il a tué 300 000 personnes pour les tsunamis. Donc, on voit très bien qu'on est tout petit. Et le fait qu'on est tout petit, il faut changer les choses. Moi, je me bats depuis 20 ans, mais je pense aussi qu'il faut faire pression vis-à-vis des politiques. Je pense qu'il n'y a pas que les citoyens qui sont responsables. Beaucoup de fois, on veut faire savoir, on veut le dire aux responsables que c'est le citoyen. Non. Je crois que c'est le politique qui doit faire pression aussi vis-à-vis du pouvoir économique, qui sont beaucoup de fois des éco-pollueurs. Et pour finir, je dirais que si on veut vraiment avancer, il faut arrêter avec les éco-promesses. À haut niveau de l'État, on promet plein de choses et on ne fait rien. Moi, j'aimerais qu'on passe des paroles, comme dit la publicité de l'ADEME, aux actes. Très bien. Dans Jérôme, madame avait la dame avait levé la main avant, donc tu l'as. Pour Lydie. Madame d'abord. Non, vas-y, tu as le micro. Bon. C'est pour Laurent, d'une part. J'adore son film, de toute manière. Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais l'an dernier, il y a une ONG américaine et canadienne qui s'est battue pour essayer de stopper la chasse aux phoques. Et c'était l'équivalent de 2 à 3 millions de phoques au Canada qui doivent se faire abattre en 3 ans. Tout ça parce qu'on dit qu'ils mangent le poisson que nous devons manger. Mais à côté de ça, nous, les humains, surtout je vois en France, même aux États-Unis, dans d'autres pays, quand vous allez dans vos supermarchés et que vous voyez un très bel étalage de poissons, c'est pour que nous, citoyens du monde, soyons heureux d'avoir cet étalage de poissons. Mais alors après, que devient ce poisson des étalages des grandes surfaces? Ça part à la poubelle, avec des produits chimiques dessus, et je trouve ça lamentable, alors que rien que les grandes surfaces, ici je sais qu'il y a une grande surface au festival, devraient au moins faire des... Je ne sais pas, vous êtes à Marseille, vous pourriez faire des bonnes garbures, de la bouillabaisse, avec tout ce poisson de supermarché. Non? Je pense que l'idée est bonne, mais ça va être vachement compliqué à mettre en place. De toute façon, l'excuse d'abattre des phoques parce qu'ils mangent les poissons que nous devrions pêcher est une excuse absolument immonde, quoi. On se comprend. Personne n'est dupe, je pense. Je pense qu'ils ne laisseront pas les peaux sur place. Et si vous voulez voir des sacrées images de ces phoques-là, vous allez sur mon site internet. D'accord. Ben, merci, Jean. Madame, voilà, rouge et noir. Oh pardon, tu fais le micro aussi, est-ce que je peux... Bon, prends-le après. C'est juste une petite remarque et beaucoup de remerciements pour l'association et le B-Citizen de Maximilien, Sylvain et j'en oublie un. Et Mathieu, voilà. Je pense qu'ils participent à quelque chose de très important. Je me présente, je m'appelle Jean-Philippe, excusez-moi, je ne vous ai pas dit bonjour. C'est bon. Micro qui... il participe à quelque chose de très important, je pense, auquel on a tous pensé. Il participe à l'élimination de tous les crétins qu'on s'invente tous les jours pour ne pas agir. Et je crois que c'est essentiel pour passer
de la résignation à l'envi. Ah. Je pense qu'il faut qu'on élimine, enfin il faut, je suis un peu péremptoire, mais essayons d'éliminer tous les crétins que nous imaginons tous les jours, peut-être pour être un peu moins pire qu'eux, mais qui sont quand même que le fruit de notre imagination. Et merci à vous, et j'espère que vous serez dans votre bouquin à la prochaine édition. Ah, joli, joli. Ils étaient 81. Merci. Merci beaucoup. Et juste pour dire, B-Citizen comme B-Positive sont des entreprises. Parce qu'on attache une valeur extraordinairement clé à notre indépendance. Et on ne supporterait pas de voir notre message pollué par des actes, par des subventions ou autre. Voilà. Donc on a une indépendance garantie par une diversité de clients qui nous permet de rester libre, indépendant et libre penseur. Merci. Waouh. Alors ce coup-ci, non, la dame en rouge et noir, ça fait 3 fois qu'on lui passe devant. Tu voulais plus poser une question, non? Tu voulais? Ah pardon. Alors Rosie, mademoiselle en orange, excusez-moi. Oui. Non, bonjour tout le monde. J'ai une question au niveau de la législation, en fait, parce que j'ai entendu plusieurs fois qu'il y a des zones de déballastage autorisées en Méditerranée. Donc je voulais savoir si c'était vrai et comment ça se fait, parce que au niveau des bateaux. Attendez, on n'entend pas du tout. Est-ce qu'il est possible de monter le son des micro-salles dans la régie, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas beaucoup ici. Voilà. Alors, mademoiselle, recommencez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, j'ai entendu plusieurs fois qu'il y avait des zones autorisées de déballastage des bateaux, donc nettoyage, et en Méditerranée. Et je voulais savoir si c'était vrai et comment ça se fait, surtout, parce qu'en général, ça circule. Donc, Non, du tout. Vous avez gardé les coordonnées de la personne qui vous a dit ça? On m'a parlé d'une zone qui se trouve entre Chypre et l'Italie. Alors là, je ne pourrais répondre sur cette partie de la Méditerranée, mais enfin, je puis vous dire qu'il y a des ports équipés pour ça, le traitement, des ports équipés pour le déballastage. Foss, le port autonome de Marseille, Foss en est un. Et donc les bateaux doivent impérativement passer pour laver leurs cuves par ces ports équipés pour cela. Ce qu'ils ne font pas toujours, vous le savez bien, puisqu'il y a des déballastages sauvages au large. Ça s'est encore produit, vous avez vu à l'occasion de cette catastrophe en Manche, la collision de 2 navires. Eh bien un navire qui passait au large en a profité pour dégazer. Des contrevenants, il y en aura toujours. Mais fort heureusement, la France a voté, son Parlement a voté le 8 janvier 2004 la création d'une zone donc, de protection écologique, une ZPE, que nous avions proposée d'ailleurs dans ce réseau Mat-Cité dont je parlais, pour l'ensemble de la Méditerranée, auprès des juristes de chaque pays, en 1993. Nous sommes les premiers à avoir obtenu cette zone, c'est heureux, mais il faudrait que ce soit sur l'ensemble de la Méditerranée, encore une fois. Mais sinon, au-delà des eaux territoriales, vous avez des contrevenants qui continuent à dégazer, et notamment dans le bassin oriental. D'ailleurs, je propose une pétition pour que les amendes des bateaux qui dégazent aillent toutes, dans l'intégralité de ces amendes, aillent aux associations de sauvegarde du littoral ou aux laboratoires de recherche, que l'argent des voyous de la mer serve à ceux qui la réparent. Donc faites courir, parce qu'on ne sait pas où va cet argent. On sait que maintenant, ils réclament les amendes, mais je ne sais pas où elles vont. Donc si on est plusieurs à les demander, genre, 2 millions de personnes par mail, ça devrait faire un peu de boulot. Donc voilà. Alors juste avant de prendre une question, Laurent avait un petit message, il nous demande comme une petite faveur, donc voilà, vas-y. Oui, on parle ici beaucoup des solutions pour essayer de réparer les erreurs que nous avons commises. Il existe encore des territoires dans le monde où les erreurs sont encore réversibles. J'ai eu la chance l'an dernier de participer à un voyage de Jérôme Pasteur qui m'a emmené à la rencontre des Indiens Chalinka qui vivent dans la cordillère du Vicabamba. Elle mène un combat pour eux et avec eux depuis plusieurs années pour essayer de leur permettre de survivre face au monde moderne qui frappe à leur porte de la pire des façons qui soit, notamment en exploitant le bois précieux qu'il y a dans leur forêt et mettant en danger ainsi toute la biodiversité de ces endroits d'où ils tirent leur nourriture et leur subsistance. Elle a aussi un programme pour éduquer les jeunes enfants à la demande des Indiens eux-mêmes pour les préparer à affronter ce monde moderne qu'ils ne pourront pas éviter un jour. Donc pour avoir plus d'informations et pour pouvoir l'aider à monter ses projets,
puisque les Indiens sont demandeurs, je vous invite à visiter un site qui s'appelle chaveta.org, chaveta.org, pour avoir plus d'infos et éventuellement l'aider, parce que nous avons besoin du fonds et de la générosité de chacun. Merci. Alors, on laissera l'adresse du, stand, du site sur le stand de l'Institut avec le grand écran. Est-ce qu'il y a encore une question, parce que, Une rapide. Finalement. Oui, oui. Oh, bah alors. Sur la climatologie, vous avez laissé entendre qu'on ne savait pas si le Groenland et l'Antarctique fondaient, mais tous les documentaires qu'on voit ou toutes les informations qu'on a nous montrent que c'est en train de fondre. Or, vous avez laissé ça dans le doute en disant qu'à ce moment-là, ça se mesurait en dizaines de centimètres, la montée de la mer, et plus en centimètre par centimètre. Donc, je me posais des questions parce que... Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on considère justement. Il y a les glaces marines et puis il y a les glaces continentales, la grosse masse des glaces qui sont posées sur les continents. Donc ce qui font de manière très claire actuellement, ce sont les glaces marines, donc la banquise arctique. La banquise antarctique est plus faible, et donc c'est plus difficile de mesurer des tendances, mais elle a toutes les raisons aussi de fondre assez vite. Il y a les glaciers de montagne, qui sont des glaciers posés en altitude et qui sont aussi soumis à l'effet des températures. Le Groenland même, en tant que masse de glace posée sur le Groenland, a priori, l'idée de départ, c'était plutôt que c'est d'être plutôt régénéré. Quand il a fait plus chaud, on a plus de neige qui tombe aussi. Donc il y a un équilibre entre l'enneigement et puis l'accélération du mouvement qui conduit la glace pour former des icebergs. Et que ce soit pour le Groenland ou pour l'Antarctique, l'idée de départ, c'est de se dire que ça va prendre du temps. Dans un premier temps, l'effet de la neige est un effet immédiat. Et puis, l'effet qui conduit la glace et les icebergs vers les... C'est un effet qui va l'emporter tôt ou tard, mais qui est retardé dans le temps. Et ça reste quand même l'idée essentielle. Sauf qu'on a identifié des zones de fragilité. Quand on fait des suivis altimétriques du Groenland, on voit que sur les côtés du Groenland, il y a des zones où on a l'impression que la masse de glace, effectivement, a commencé à s'éroder. Donc c'est localisé sur... Vous prenez la carte du Groenland de chaque côté. En Antarctique, il y a une zone qui paraît faible, et éventuellement plus fragile que les autres, c'est celle de la péninsule antarctique, c'est-à-dire cette partie de l'Antarctique qui remonte vers l'Amérique du Sud et qui est posée sur un socle sous-marin, un socle rocheux sous-marin, qui est donc si les eaux autour se réchauffent, l'atmosphère elle-même se réchauffe dans cette région, c'est la région du monde où l'atmosphère est en train de se réchauffer la plus vite pour le moment. C'est une pointe de glace qui elle aussi est plus fragile que le reste de l'Antarctique. Et je dirais que c'est un danger qui n'est pas observé en tant que tel. Il y a eu l'ice shelf, c'est-à-dire la partie des glaces continentales qui est sur l'eau, où on a vu des phénomènes de fonte. Mais pour la partie continentale, vraiment du glacier posé sur les continents, il n'y a pas de vraie observation, mais il y a une crainte qui est plus forte qu'il y a quelques années, que finalement on ait peut-être sous-estimé au départ ce problème-là. Mais c'est juste un problème de temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'à terme, si ça se réchauffe, ces systèmes-là seront... mais ils réagissent avec un délai. Finalement. Une question ? Alors, moi, je voudrais vous donner un petit scoop. C'est que j'ai entendu un jour Nardo parler du Clémenceau et je voudrais que tu partages ça avec nos amis parce que c'est le genre d'info qu'il faut faire diffuser. Voilà. Un beau projet qui a été soutenu d'ailleurs par France Gamère, adjointe à la maire de la ville de Marseille, et qui malheureusement n'a pas vu le jour, et on le regrette fortement, car vous avez suivi, comme nous tous, les tribulations du Clémenceau, qui ne sont pas terminées d'ailleurs, et qui nous coûtent très cher à nous contribuables. Car si nous avions pu réaliser ce merveilleux projet, qui était d'ailleurs le projet d'un commandant de la Marine nationale, le commandant Buchaillet, qui était commandant de la Marine à Marseille et qui nous avait fait part, à nous, scientifiques, aux élus de ce projet. Nous avions pris l'affaire à bras-le-corps, si j'ose dire. Nous avions constitué un comité scientifique et technique avec des gens compétents en divers domaines. La COMEX était présente. La Marine nationale, d'ailleurs, qui nous a accueillis à Toulon pour visiter de fond en comble ce Clémenceau en 2002,
donc ça remonte déjà à un certain temps. Nous avions mis une journée entière pour le visiter. Certes, il y avait l'amiante. Hein, il n'y avait plus de métaux lourds. La peinture n'avait pas été refaite depuis 92. Mais simplement, au fond, sur 30 cm d'épaisseur, un mélange aux huiles qui était facile à pomper. Et si nous avions pu immerger ce Clémenceau dans la rade de Marseille en prolongement du superbe programme Récif Artificiel, dans un fond qui avait été choisi déjà, eh bien, nous aurions pu obtenir un autre énorme récif artificiel, mais qui aurait attiré également les plongeurs du monde entier. Cela aurait permis aussi à nos merveilleux tombants des îles du Sud de souffler un petit peu et de ne plus recevoir tous les jours des coups de palme qui abîment beaucoup l'écosystème. Bien, ce projet n'a pas plu ni et à nos dirigeants. L'amiante dans l'eau ? Comment ? Et l'amiante dans l'eau ? Et quant à l'amiante, pardonnez-moi, tout chimiste compétent vous le dirait, et j'en ai discuté avec des chimistes de mon université, l'amiante est inerte au fond de l'eau. Les poissons ne l'auraient pas respiré ni mangé, et les plongeurs encore moins. Simplement, bon, il y a eu de fortes réticences, nous n'avons pas pu aboutir, de faire aboutir ce merveilleux projet, et le Clémenceau est allé, venu dans l'ensemble de la Méditerranée, les problèmes du passage du canal de Suez que vous connaissez, les tribulations du Clémenceau, donc feuilleton à suivre, car ça n'est pas terminé. Voilà, donc faites passer l'info, ça finira bien par passer un jour quelque part.